Bienvenue à Kinshasa, la capitale du show, capitale de la RDC. Moi, c'est Lancy Lobo. Je suis la présidente du RASCOP. RASCOP, ça veut dire Rassemblement des coopérants du Congo. Alors, mon ONG a comme but d'aider et d'orienter les coopérants de quitter de l'informel au formel. Bonjour, artiste. Bonjour. Artiste, ça va? Ça va. Dis-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu fais comme art ici? J'ai beaucoup d'histoires ici. Ok. J'ai des coris, j'ai des bracelets intelligents. Bracelets intelligents, ça veut dire quoi? Ça, c'est mélanger, des fils mélangés. Ok. Ouais. Sinon, je t'appelle artiste comment? Artiste Bikiri. Bikiri. Ouais. Ok, super comme nom. Ouais. Mais tu as des trucs tendance. Tu vois, moi, j'aime beaucoup des trucs africains. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu peux me proposer ici? Je vais te proposer le bracelet en coris. Ok, mais tu l'as fait. Ok, merci. Je vois. Et c'est fait à base de quoi? Ici, c'est mélangé coris, fil et cuir. C'est du vrai cuir? Du vrai cuir. Sérieux? Oui, sérieux. Bonjour. Tu as même passé le coris? Ouais, ça y est. Waouh! Je vais le garder pour toi. Merci. Apparemment, le coris est vraiment acheté ici à Kinshasa. Quelles sont les difficultés? Est-ce que les gens consomment vraiment des produits congolais? C'est vraiment consommé. C'est consommé, ça va, mais c'est quoi les difficultés? Les difficultés, il y a les gens qui détestent que c'est de la magie, mais c'est pas de la magie. Ok. Ouais. C'est comme on dit. Voilà. C'est du bikiri. On est en train de bikiriser le monde. Ok. Ouais. Comme nous, on appelle, on dit en lingala, bokoko, la terre. Ouais. Tout ça. Dis-moi, ça c'est fait avec quelle matière? Ça c'est fabriqué avec les bois. Du bois. Du bois teinté. Ok. Tu vois? Un peu ça. Il y a le fil dedans. Ok. Tu vois? C'est bon. Mais dis-moi, ça c'est du vrai cuir? Ça c'est du vrai cuir aussi. Mais à la fin, il y a le fil. Ok. Ça va te permettre de le porter. Et puis quand tu portes ça, tu vas le serrer par ici. Ah ok. C'est comme ça. Ouais, je vois. C'est le même style avec ce que vous m'avez donné? C'est pas le même. Ok. Différent. D'accord. Dites-moi, c'est quoi les difficultés que vous avez sur terrain avec les produits faits made in Congo? C'est quoi les difficultés que vous avez? Les difficultés vraiment étaient que les gens détestaient. Ok. Ils croyaient que c'était du fétiche. Ok. Mais c'est pas du fétiche. Non, mais c'est comme on dit en lingala, bokoko, hein, la terre, hein. Ouais. Voilà. Dis-moi. Ok. Dis-moi alors. Là. Tu as fait ça comment? Ça aussi. C'est le même cuir là. Ok. Maintenant, la façon de tisser est différente. D'accord. Vous voyez, c'est le même cuir avec le fil aussi. Voilà, par exemple. Pour les porter, tu vois. Voilà. C'était comme ça et puis. D'accord. Voilà. Par exemple, dis-moi ça, c'est à combien en francs congolais? À 2500 francs, à 2,5 dollars. 2,5 dollars. Ok, ça va. Merci. Ça te prend combien de temps pour faire un bracelet de ce genre? Ça me prend au moins 15 minutes de travail. Waouh! Tu es rapide, hein? Vraiment. Tu es expert alors? Je suis déjà habitué de ça. Ok. Est-ce que tu vis vraiment de ton travail? C'est pourquoi je peux te dire quoi? J'invite notre peuple de consommer congolais. Voilà. Tu vois, c'est ça. Photo fou. Il y a la vie. Mmh. Photo fou, Lana. Ouais. En lingala. Il y a la vie. Ça veut, en français, on dit qu'on se propulse. Fier de toi. Bonne chance. Merci. Courage.
c'est les réalités qu'on voit à Kinshasa. Et consommons congolais, consommons africains. On dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais aussi, c'est le berceau de l'art. C'était Lancy Lobo, la fondatrice du RASCOP. À bientôt.